c'est que ta contribution, c'est plus grand que ce que tu fais. C'est seulement 12 pouces par 12 pouces sur un produit final qui sera de peut-être 16 par 20 pieds. Ce qui fait que le contenu du tableau est déjà déterminé. Mais chaque 12 pouces par 12 pouces aura un contenu, son contenu individuel. J'ai des instructions à suivre, mais en même temps, il y a une marge de liberté là, que je peux utiliser pour développer mon idée. On peut le constater visuellement. On peut observer des styles, des techniques, des sujets différents. Et pourtant, quand on prend un peu de recul, on remarque une certaine unité. Et pour moi, c'est excitant. Je souhaite explorer ça jusqu'au bout. Et maintenant, je sens que c'est le moment parfait de le faire. C'est notre 12e mural à ce jour, puis elle va contenir 231 tableaux, chacun d'une grandeur de 30 cm sur 30 cm. Le groupe d'artistes sera varié, provenant du long de la côte ouest, pas seulement canadienne, mais américaine aussi, de l'Alberta jusqu'au Québec et jusqu'au Maritime. Ce sera donc un projet extrêmement diversifié, donc tout le monde participant à une célébration de la beauté de la côte ouest. Elle peut contenir des petits bleus ici ou des bruns, n'importe. Pourvu que la majorité de la couleur soit ce rouge-ci et qu'on aperçoive cette ligne diagonale. Vous avez raison, ça pourrait très bien marcher, absolument. L'objectif de la murale est de nous unir en tant qu'artistes en un collectif spectaculaire. Et chacune de vos peintures sera une expression de qui vous êtes en tant qu'artiste. On ne vous dit pas quelle sera l'image finale parce qu'on ne veut pas que le concept de la murale vous mène. On veut que vous gardiez votre propre voix. Cela étant dit, on doit vous donner quelques consignes sur les couleurs et les formes qui se trouvent sur vos panneaux. Et on laisse à Louis le soin d'entrer dans les détails et de vous donner des petits conseils sur comment composer avec vos couleurs et vos formes. Eh bien, on a ici plusieurs genres de panneaux. On a des panneaux unis et des panneaux avec des lignes. Donc, ces panneaux-ci sont vraiment bien. Parce qu'ils contiennent ces lignes horizontales-là. Donc, c'est très, je veux dire, en partant, sans avoir rien fait, déjà, il y a un paysage. Mais ce qui serait encore mieux, c'est de le briser, afin que ça ressemble moins à un paysage et plus comme à quelque chose d'autre. Donc, on peut faire bien des choses avec. Tu sais, on peut même... Je veux dire, même si c'est vert ici, les rouges là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire monter le rouge ici et faire baisser le vert là. Il y a plein de choses qu'on peut peindre ici. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'idée. Je vais donc passer au prochain panneau. Ce panneau-là ne m'inspire pas pour l'instant. On est trois qui travaillent sur les murales. Il y a moi, évidemment, et Paul, le frère de Louis, et Louis. Je crois qu'on est très anxieux chaque fois qu'on entreprend une murale parce qu'on ne sait jamais si on réussira. On commence à envoyer les panneaux aux artistes et aussitôt, il dit « Je ne crois pas que ça va marcher cette fois. » Quand le créateur de la murale dit qu'il ne pense pas que ça va fonctionner, tout ce que Paul et moi pouvons dire est « Ça va marcher. » Mais on ne sait pas, nous. Après tout, ce n'est pas nous qui l'avons créé, cette murale. Quand les artistes reçoivent leurs panneaux, ils veulent s'assurer que leur peinture cadre avec la murale. Certains d'entre eux peuvent être trop prudents par rapport à la couleur, au point où ils trouvent des lignes qu'on n'a même pas dessinées. Et ils commencent leur toile en croyant qu'ils doivent les utiliser. On leur dit que non, c'est une éclaboussure. Donc, c'est surtout un excès de prudence de la part de l'artiste. Mais c'est quand les artistes commencent que ça devient excitant, quand ces artistes dépassent les limites, mais réussissent quand même à faire fonctionner leur panneau.
me sens un peu anxieux à l'idée de découvrir les panneaux envoyés par les artistes et s'ils trouveront que ça aura valu la peine de contribuer au projet. J'essaie de ne pas révéler l'image finale. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, si je ne partage pas ce que ce sera, j'espère qu'il y aura moins de subjectivité dans leurs panneaux individuels. S'ils voient une forme, ils penseront pas, eh bien, c'est l'œil d'un cow-boy ou la roue d'un chariot, ou quelque chose du genre. Comme ils ne savent pas tout à fait ce que ce sera, ils doivent essayer de deviner quelle petite partie ça représente. Deuxièmement, comme je ne sais pas ce que me remettront les artistes, notre rapport en est un de confiance. J'ai confiance en l'artiste qu'il me donnera, enfin qu'il donnera à la communauté quelque chose, et en retour, il doit me faire confiance à moi, que je donnerai quelque chose à la communauté. Là, il y a trois sortes de panneaux. Il y en a une. Le premier, c'est un temps, deux temps. Puis le troisième, c'est avec une forme précise. Puis je vois que ceux avec la forme précise, il y a une distorsion dans le dessin là, pour faire entrer une figure précise, mais c'est quand même un tour de force de faire ceux-là. Ceux-là sont plus difficiles, ce qui fait que c'est une plus grande responsabilité, ceux-là. Je veux quand même pas faire de quoi qui rentrerait pas dans la mosaïque. Tu sais, 76, je pourrais voir ça. Est-ce qu'il y a des homards sur la côte ouest? Non. Non, hein? OK. Il y a des crabes. Ah, c'est des crabes par ici. OK. Ça implique beaucoup de monde. Un petit peu comme... un tailleur de pierre fait son morceau pour construire un édifice. Ben moi, c'est un petit peu de cette façon-là que je le vois. Ce qui fait que si je regarde aux panneaux qui restent, les monochromes sont les plus faciles. Tout orange, là, ou bleu. Puis même les deux tons de bleu, ça serait facile pour moi, ça. Les bleus de cobalt avec des bleus de Prusse, là, c'est... ce sont mes couleurs, ça. Mais... qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je ne sais pas. Je pourrais m'arranger. C'est de la réflexion, hein? Il faut y penser. Mais d'emblée, là, c'est les bleus qui m'intéressent, là, les plus monochromes. Je pense que je pourrais faire de quoi avec ça? 201. Ouais. Même 192. Ah oui, je pourrais m'arranger. Je sens pas que c'est impossible. La dernière chose que je fais après avoir conçu la murale et l'avoir coupée en morceaux, c'est que j'envoie les panneaux à ces artistes et c'est comme si je les semais aux quatre vents. Avec le thème de la côte ouest, j'espère que les gens vont inclure les vieux navires à la Capitaine Cook dans leur peinture, mais je suis pas certain que ce sera le cas. Certaines vieilles photos de la communauté, avec des conserveries, ce genre de choses. On pourrait présenter l'histoire générale de la côte ouest, et on veut donc être très sensible envers les communautés autochtones qui y vivent. J'espère voir la faune, les choses que les gens, les touristes viennent... enfin, ce qu'ils viennent voir quand ils se rendent sur la côte ouest. J'espère que certaines de ces choses seront incluses.
serais très tenté dans l'idée de cette murale-là, dans mon petit carré, de faire un cliché. Au Québec, ben, ils font du sirop d'érable et est-ce que ça définit les Québécois? Non, c'est certainement pas vrai. Mais en même temps, c'est quelque chose qui permet de rire un peu, qui permet aux gens aux dépens desquels les clichés sont faits, finalement, de rire un peu d'eux-mêmes, finalement, parce qu'il y a quelque part un fond de vérité dans un cliché. À un moment donné, il y avait cet Indien qui a l'air las, finalement, des clichés, puis la police montée qui a enlevé son chapeau, tu sais, puis qui se dit... qui pose un peu pour la caméra d'un Japonais et qui dit... le cliché est parfois notre pain quotidien. Et la légende, le titre que je vais donner, c'est « Let's kick out some tenacious cliché et... ». Comme j'ai aussi, dans une autre vie, été directeur d'une galerie d'art contemporain pendant un petit moment, je me suis rendu compte que l'art contemporain, que j'aime aussi, eh bien, donne énormément d'importance à l'écrit. Et finalement, vous pouvez justifier une œuvre d'art avec un annuaire téléphonique complet de la théorie qui soutient le fait que vous ayez planté une ficelle au plafond avec un push-pin, avec une carotte attrapée après. Puis quand vous donnez une claque dessus, la carotte fait ça. Et ça, ça représente le mouvement de l'âme tourmentée par l'appréhension de la mort. Bon. Et puis je me suis dit, je vais me situer exactement à l'antipode de ça. Je vais faire quelque chose de très intelligible. Je vais faire le contraire, qui frise vraiment l'art naïf, qui est vraiment aux limites de l'art naïf, mais un art naïf extrêmement organisé. J'ai inventé toute une panoplie des outils qui réussissent à produire dans mes œuvres une espèce de pixiation, un mélange très serré des couleurs qui en somme génère de l'énergie parce qu'on est dans le monde de la physique. Comme par exemple, vous voulez faire du foin. Alors vous trempez votre lame de grattoir dans la couleur, puis vous imprimez le foin, mais foin par foin, comme ça. Puis vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, puis vous pouvez tourner comme ça pendant des jours. C'est extrêmement long. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez venir fou, ma foi. Je pense qu'il y a... Parce que c'est tellement long, puis aussi, vous voyez jamais l'effet final avant de mettre le point final. Vous dites, est-ce que je fais ça pour rien? C'est très long. Puis, j'utilise aussi des baguettes de brochettes barbecue. Et ce que je fais, c'est que je mets une couche de couleur, puis je brise la couleur avec ça ici, comme ça. Puis je dépose la couleur, puis je fais des tout petits points. Je ne me vois pas comme un peintre, en somme. Je me vois comme un tricoteux de peinture. C'est un objet que j'adore parce que si vous regardez des balles de foin à la pleine lune et que vous marchez entre les roches de Stonehenge en Angleterre à la pleine lune, vous avez le sentiment que les balles de foin sont des sculptures, en quelque sorte, qu'elles sont habitées et qui en irradient une vie, finalement, une vibration tellurique. En passant, j'ai été conçu en Colombie-Britannique. Mon œuvre est fondée sur la banalité. Je me suis mis à peindre des gens ordinaires dans des situations extrêmement ordinaires, mais la banalité, c'est aussi de rouler sur une route et voir que la forêt qui était là il y a deux semaines n'y est plus, qu'on continue à rouler dans des grosses voitures alors qu'on est en train de créer une catastrophe apocalyptique. Et comment un artiste peut-il agir par rapport à l'environnement? Bon, aller porter son petit sac de recyclage, c'est certain, mais il peut peindre aussi ça. Il peut peindre une coupe à blanc. Il peut dire, OK, voyez-vous, c'est dégueulasse une coupe à blanc. C'est très présent dans nos vies. C'est très mauvais.
l'espèce humaine est d'une bêtise considérable, mais en même temps, elle est d'une innocence complète et mieux vaut lui pardonner, finalement. Hein? Quand on voit les anciennes murales et les murales qui ont déjà été faites, moi, je trouve ça, c'est vraiment... Wow! Je sais pas quel mot utiliser, mais je suis vraiment contente d'en faire partie. Ce que je fais maintenant, ce que j'appelle inspiration pure, c'est l'extériorisation d'un état, c'est comme si j'étais en transe quand je peins. La côte ouest, c'est vraiment un endroit propice pour moi. C'est un endroit où je trouve le calme, où je trouve la quiétude. Je dois souvent aller en nature. Je demeure en ville. J'adore les parcs et je dois souvent être près de l'eau. Souvent, je dois être près des arbres. Donc, c'est vraiment propice Vancouver pour moi. Parce que cette inspiration-là, je l'appuie justement dans la relation que j'ai avec la nature. Moi, je suis franco-ontarienne, donc je viens de l'Est ontarien. C'est un petit village qui s'appelle Lorignal, entre Montréal et Ottawa. Quand je fais mes peintures, il y a un processus particulier que j'utilise. Alors, ce que je fais, c'est que je bâtis moi-même mes toiles en bois. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de créer le relief et la texture. Donc, j'ai utilisé toutes sortes de choses, comme du sable, pâte d'acrylique, papier de soie, papier recyclé, tout, coquillage, un peu de tout. Donc, j'aime aller en nature aussi, trouver des choses, et puis j'essaie, j'expérimente. Ensuite, j'utilise la peinture acrylique. J'utilise aussi la craie pastel. Et puis, la dernière étape, c'est une couche de résine de polymère. Donc, je joue beaucoup avec la lumière, le reflet. Ce que je dois essayer de faire, c'est vraiment de suivre les lignes qui sont déjà là, seulement dans le plus foncé, c'est tout. Normalement, je travaille sur plus qu'une toile à la fois. C'est déjà arrivé où j'ai travaillé sur 16 toiles en même temps. Celle-là a été commencée hier. Alors, ce qui est différent, justement, c'est que j'ai la surface au complet avec laquelle je peux travailler. Tandis que celle-là, je dois respecter ce qu'on m'a donné. Alors, moi, je dois avoir vraiment les mains dans la matière. Alors, je laisse aller, j'applique. Je ne sais pas du tout ce que ça va être, je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Et c'est pas important. J'en ai besoin. C'est ma drogue. c'est vraiment ma drogue. Ouais. Quand je peins pas, il me manque vraiment quelque chose. Ouais. Je pense que j'ai un petit peu de difficulté à définir mon style, à définir ce que je fais. Certains disent que c'est abstrait. D'autres, non. Donc, moi, j'ai de la misère à mettre une étiquette, puis je sais pas si je veux aussi définir ce que je fais, parce que ça peut changer. Et ça change. C'est commencer qui est le plus difficile. J'aime donc parfois d'abord planifier mes toiles. Donc, ce que j'espère peindre ici, ce sont les forêts anciennes qui poussent le long de la côte. Je pense donc à... So, I'm thinking of
Il y a cette forme ici qui va comme ça. Et c'est la forme clé que j'espère intégrer. Quelle que soit cette autre forme-là, ça deviendra l'arrière-plan. Ici, c'est donc l'élément principal sur lequel je me concentre. C'est quelque chose qui est presque... C'est pas tout à fait un totem, mais ça représente quelque chose de totémique. Comme quand on fait de la randonnée sur la côte. On espère tomber sur de vieux totems abandonnés, ou encore qui ont été oubliés, sont couverts de vignes, de mousse, ce genre de choses. Je vais donc essayer de l'inclure un peu, ici. Plus haut, il y aura plus de détails, mais je veux faire preuve de respect. Ce sont de vrais symboles qui représentent des objets sacrés pour certaines personnes. J'ai toujours dessiné des visages qui étaient d'apparence autochtone, mais sachant dans mon intérieur que oui, c'était dans mes racines, mais sans aucun exemple. Je veux dire, je pouvais pas avoir aucune référence autour de moi et dire « Ah, c'est telle personne » ou « C'était toujours un fruit de mon imagination. Ouais. » Mes origines sont d'origine Cree, du côté de mon père. Ben, moi, j'ai grandi comme un Québécois, avec la Saint-Jean-Baptiste et toutes ces choses-là, mais j'ai toujours su d'où les origines de mon père, d'où ses ancêtres venaient, mais sans plus, on n'en parlait pas, c'était pas quelque chose qui était discuté. Quand je suis parti du Québec, comme tout le monde, je suis naturellement allé vers Vancouver. Et puis j'ai vu qu'il y avait l'île de Vancouver, avec la ville de Victoria, Nanaimo, les gros noms qu'on reconnaît souvent, mais j'ai commencé à voir des grosses enseignes qui disaient Chemainus, Mural Capital of the World, Most Famous Murals. Et puis j'ai été tout de suite attiré, curieux, parce que les murales ont toujours été tellement importants dans mon inspiration. J'ai toujours aimé les muralistes, les gens qui faisaient des grosses peintures, des gros projets. Mais j'ai décidé d'arrêter en m'en allant vers Victoria. Le même jour, je baragouinais mon anglais. J'ai été invité à un powwow la journée d'après, sans savoir où ça me mènerait. Ça a pratiquement changé ma vie. Mon processus de création vient souvent d'une thématique ou d'une idée, d'un concept plus grand que juste une peinture. Souvent, je commence avec une idée, puis je développe sur cette idée-là en essayant d'aller le plus loin que je peux. C'est jamais juste en faisant une seule peinture ou un seul sujet. Puis quand j'ai reçu le panneau, j'ai tout de suite vu la lumière de la nuit. Quand la lune est pleine, la lumière de la nuit qui est bleue. Là. Puis j'ai tout de suite vu la... Je voyais une personne, un aîné, qui regardait un peu à son identité, à l'ouest aussi. Parce que si tu regardes au niveau de la construction du panneau, c'est l'ouest. Ce côté-là du panneau, c'est l'ouest. Il y a le côté de l'est qui regarde vers l'ouest. Donc, ma vision un peu de mon interprétation de la côte ouest. Et puis, tout ça dans la lumière de la nuit. C'est ce que je vais essayer de représenter, mais là, c'est juste
au début. C'est juste un petit dessin. Oui, les aînés ont une grande, grande place dans ma vie. Je dois avoir des choses à apprendre, j'imagine. Ben, ma dernière exposition, c'était pour raconter l'histoire de la disparition des bisons d'Amérique du Nord. Mais plus encore, l'effet sur les gens, sur moi-même en premier. Et puis, le plus j'apprenais sur l'ampleur du drame, le plus je réalisais que tout le monde avait été touché par ça, que ça n'avait pas rien à voir avec le fait d'être autochtone ou métisse ou blanc ou noir. C'était vraiment que y a une culture qui s'est perdue avec l'animal. Puis c'est ça qui a vraiment influencé ces peintures-là. J'ai déménagé en Colombie-Britannique pour ça. C'est la raison qui m'a fait bouger. C'est vraiment de pouvoir m'immerser dans la culture. En étant le plus loin possible de toutes mes influences québécoises, d'être capable de m'immerser dans la culture autochtone. Puis en tant qu'artiste aussi. Je veux dire, pour moi, ça a toujours été la recherche de la compréhension de ce que je faisais en tant qu'artiste. Puis sans le savoir, c'est moi-même que j'ai retrouvé. Je crois que si ton atelier est trop bien rangé, c'est que t'as trop de temps entre les mains. Comme artiste, j'ai l'impression d'être schizophrène la moitié du temps, parce que je peins tellement de styles différents et je fais tellement de choses différentes que quand je vois ces gens qui n'ont qu'un style, qui utilisent une technique qui leur est propre et que toutes les galeries le reconnaissent, je leur dis chapeau. Ils ont leur propre voix. Ils savent quelles limites pousser à l'intérieur des moyens qui se sont imposés. Mais moi, en tant qu'artiste, je trouve qu'il y a trop de choses que je veux essayer et explorer, et avec lesquelles je veux jouer, expérimenter. Et je veux aussi faire le genre de peinture qui me plaît à moi, plus qu'au groupe de gens qui sont considérés comme les leaders de la communauté artistique. Voici plusieurs toiles que j'ai commencées il y a quelques années. Beaucoup d'entre elles ont été faites sur la côte ouest. J'avais l'habitude de m'asseoir, de faire plein de peintures et de croquis, et j'y ai passé pratiquement tous mes étés. Je sautais dans ma voiture, je me rendais sur la côte, je faisais du camping. J'allais à Tofino, à Ucluelet, à Cathedral Grove. Je passais des heures à dessiner dans la région. J'ai donc commencé à créer mon répertoire, où je pouvais inclure ces endroits que j'aimais. Et c'est de là qu'est venu beaucoup de ce matériel. Ça représente l'histoire biblique de l'Arche de Noé et du déluge. Je me suis dit qu'il y avait 1000 ans avant le déluge. À quoi ressemblaient les gens? Comment vivaient-ils à cette époque? Et comme ce monde n'existe plus, et en ce qui me concerne, en fait, il n'y a probablement pas de preuves archéologiques de ce monde, je peux créer, à partir de mon imagination, ce à quoi ce monde aurait eu l'air. Je me suis dit que c'était un peuple avancé, et la dernière chose qu'il ferait serait de se laisser contrôler par la technologie. Ils comprennent ça. Selon moi, en tant que société, on n'a pas compris ça. On continue de créer des technologies parce qu'il y a un gain économique, et on n'a aucune idée quelles seront les conséquences. Je me dis que je ne peux pas arrêter cette technologie. Et je ne crois pas qu'il y ait un groupe de gens qui pourra jamais mettre fin à l'avancement de cette technologie. C'est évidemment hors de notre contrôle. On peut vivre comme des ermites. Je crois que c'est la seule autre option de vivre en ermite et de se dire « je ne veux rien savoir ». Oh, un instant, mon téléphone cellulaire sonne. Donc, de quelque façon que ce soit, ça fait partie de nous. Donc, c'est ce monde que je vais explorer, le monde qui a compris qu'il ne faut pas se laisser contrôler par la technologie.
Et c'est là que se trouve l'équilibre. C'est-à-dire, à quel point laisse-t-on la technologie nous contrôler et à quel point on décide de contrôler la technologie. Le sentiment d'appartenance, selon moi, est très, très important à l'humanité et à l'avenir de la planète. Et c'est ce sentiment d'appartenance qui est en train de disparaître. C'est une tendance épouvantable. Puisque si vous ne ressentez aucune appartenance à un lieu dans votre cœur, comment pouvez-vous vous en préoccuper? Vous assurer qu'il n'est pas pollué, qu'il fait bon y vivre et que vous y prenez une part active. Sur l'île de Salt Spring, on a le sentiment de simplicité et de se retrouver chez nous. Le charme d'antan y est toujours. Il y a un sentiment de confiance. Les comptoirs routiers qui se trouvent partout sur l'île à ce temps-ci de l'année sont basés sur le principe de bonne foi. Vous prenez vos fruits et légumes et vous laissez votre argent. Je me souviens une fois, quand on vivait à Fulfur Harbor, j'étais en route pour Ganges, où j'allais faire des courses. Je prenais une pause au coin de la rue et la maîtresse de poste est sortie pour me dire que j'étais demandé au téléphone. C'était ma femme qui voulait que j'achète des pommes de terre. Donc, c'est ce genre de sentiment qui est toujours présent ici. L'art est une chose qui évolue. Il y a 100 ans, il me semble que les salons qui vendaient des œuvres d'art les vendaient à un groupe de gens qui les achèteraient. Et maintenant, ce groupe a tellement changé. Tout à coup, un mouvement fait son apparition et toutes les galeries d'art se disent « c'est ce qu'on considère maintenant comme des grandes œuvres ». Puis, il y a des artistes qui peignent les mêmes choses que peignaient les maîtres il y a longtemps. Mais personne ne s'y intéresse. Donc, l'art, c'est vraiment... C'est difficile de mettre son doigt dessus et de dire « ouais, c'est une œuvre d'art » ou « non, ce n'est pas une œuvre d'art ». Cette question à savoir ce qui est bien vu ou mal vu par l'ordre établi artistique, c'est la question la moins importante à laquelle fait face la planète. On s'en fout qui décide de bien voir ou mal voir quoi que ce soit. Il y a tellement de genres artistiques, tellement de différentes sortes de musique, on peut à la fois aimer le reggae et la 9e de Beethoven, ce qui est mon cas à moi. On n'entend presque jamais parler, certainement dans l'histoire des musées d'art du 20e siècle, d'expositions d'art animalier. On trouvait l'art animalier dans les grandes dynasties chinoises, la dynastie Song et les autres, l'art traditionnel japonais, l'art traditionnel égyptien, toutes les autres cultures qui me viennent à l'esprit, les cultures Haïda, Aztèques et ainsi de suite. Puis, tout à coup, l'art animalier est devenu bizarre. Ça ne faisait plus partie du courant dominant. Les animaux domestiques étaient acceptés. Donc, on pouvait avoir des mules et des chiens et des moutons et ce genre de choses. Mais on ne montrait jamais un animal en position d'égalité, de respect. Si on montrait un animal, il fallait habituellement le voir qui pendait par les pattes, avec une grappe de raisin prêt pour le repas, ou une curée au bout d'une lance, représentant donc la dominance de l'homme sur tous les autres animaux et les mettant à leur place. Mais au cours du 20e siècle, je dirais dans les années 60, il y a eu une réapparition. Je ne sais pas, peut-être à cause des enfants fleurs et toute cette histoire. C'est à ce moment, quand ces mouvements ont commencé à protéger la nature et les baleines et tout ça,
Et maintenant, en tout cas dans le courant dominant, les gens sont très conscients du monde animalier, au point où ce monde est presque devenu iconique. J'ai lu la thèse d'une universitaire de la Californie qui disait qu'à l'époque, pour montrer qu'on était une bonne personne, il fallait pendre un crucifix sur son mur, alors que maintenant, il faut avoir un panda sur son T-shirt. On me demande de faire plein de choses, mais ce projet me semblait particulièrement excellent. C'était quelque chose à laquelle je pouvais faire une contribution, quelque chose de plaisant. Eh bien, les peintures commencent ici. Je crois fermement que ce qui importe le plus dans une œuvre d'art, c'est la pensée. Alors, quand on m'a remis un petit panneau qui contenait déjà de la couleur et d'autres suggestions, donc c'est noir et mauve, je me suis dit, et c'était instantané, ça m'est venu à l'idée comme ça, ces formes pourraient être des brindilles mortes à l'intérieur d'un sapin, et je vais poser un corbeau ici, presque noir sur noir. Mais il y aura des petits bouts de ciel bleu, du ciel nocturne qui traverse, et une couple d'étoiles qui scintillent au travers. Je n'ai pas encore décidé si le corbeau sera réveillé ou endormi. D'une certaine distance, ça devrait paraître réaliste. Mon style est beaucoup plus impressionniste qu'on le croit. Je veux donner une illusion de la réalité. Pas mauvais. Je sentais depuis longtemps que je voulais changer certaines choses. Donc, je pense que ce projet-là, ça a été un envol vers une nouvelle technique. Et puis, j'adore. Ça fait longtemps, moi, que je suis fascinée par les Premières Nations. Donc, c'est pas seulement parce que ça fait partie de la Colombie-Britannique, mais c'est aussi une partie de mes passions. Je regarde le temps qui reste. Il me reste pas beaucoup de temps. Je veux l'avoir terminé pour dimanche. Ça fait depuis peut-être 4 ou 5 ans que je suis ici avec la Galerie Windsor. C'est venu l'année où il y a eu le congrès sur l'art et la santé. Ben, parce qu'il y a un côté de moi qui est un psychologue pour enfants, qui traite les enfants ici en santé mentale au Nouveau-Brunswick. Puis l'autre côté, c'est le peintre. Fait que je trouvais que les deux... J'ai été interpellé doublement par le colloque. Puis en passant devant la galerie, il y avait une exposition qui était intéressante. Puis j'ai rentré, puis j'ai été bien accueilli. Ça dure depuis ce temps-là. Le travail que je laborde le plus, c'est souvent relié à la nature, le rapport de la personne avec la nature, le rapport de la grandeur de la nature versus la petitesse de l'humanité. Puis peut-être j'aime beaucoup tout ce que vous avez filmé là, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Dans mes tableaux, ça se manifeste par la disproportion. C'est-à-dire, les arbres sont gigantesques par rapport à la personne. Un peu peut-être pour dire ça, qu'au lieu d'influencer la nature, on devrait peut-être l'accepter comme elle est.
parce qu'elle est beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'on perçoit. Bien, quand j'ai fait ces tableaux-là ici, je venais de finir d'écrire un texte dramaturgique. Puis, on dirait que c'est que j'ai recommencé à peindre en rentrant par la côté théâtre. Puis, en pensant aux Haïda qui faisaient des représentations, en portant leur masque, puis en personnifiant un animal ou une créature abstraite. Mon but n'était pas de documenter l'art Haïda, par exemple. C'était plutôt d'y faire référence. C'était plutôt comme un hommage, plutôt qu'une description exacte. Parce que les rapports de proportion ne sont pas exacts. Puis c'est l'émotion, je crois, qui est importante dans le tableau, plutôt que de l'exactitude des détails. C'est une émotion qui est... où ce qu'on voit la nature géante par rapport à la personne. Puis aussi, c'est communautaire, parce que c'est une représentation qui se fait pour les communautés adjacentes ou voisines qu'on accueille, puis qu'on fait des cérémonies d'accueil, de bienvenue. Love what you do with it in the end. You put that kind of glass, you melt like glass all over it or something. It's resin. It's polymerism. Oh, is it? Yeah. Yeah, it's polymerism. And, you've just spoiled my. I'm here, I'm thinking you got a torch and you're melting a glass and it's dripping all over it. Well, I use a heat gun. Oh, do you? Yeah, okay. I do use a heat gun to let the bubbles burst. Oh, okay. Yeah, yeah. Yeah. Just, this is so beautiful. It's so beautiful. Thank you. I mean, it's. It's just a beautiful piece of art. And I just love the different fishes and the shapes in there. J'étais en train de travailler sur mon projet appelé La Terre de Nod, mais je m'occupais aussi de ces murales. Je collaborais sur quelques murales avec la communauté et je me suis rendu compte que le temps était venu. Je vais sauter sur l'occasion pour voir où je peux me rendre avec ces murales. Je ressentais qu'il y avait un plus grand besoin pour ça, pour travailler en profondeur avec la communauté. Je crois que ça nous concerne tous. Nous faisons tous partie d'une communauté. Et je ne crois pas que ça vient naturellement. Quand je pense en termes de communauté, je représente le solitaire. Je suis celui qui prend du recul, qui observe. C'est comme ça que je me sens au sein d'une communauté. Mais je comprends l'importance de la communauté dans ma vie et l'importance de faire comprendre à certaines personnes qu'il nous faut travailler ensemble. Je ne suis pas sûr si ça va unir les gens, mais on peut observer visuellement l'unité. On peut voir les différences stylistiques et techniques et les différents sujets. Et pourtant, quand vous prenez du recul, il y a un sentiment d'unité dans la murale. Et ça, je trouve ça excitant. Et je vais explorer ce sentiment-là jusqu'au bout. Donc, je me dis qu'on peut oublier ce que représente la communauté. Et en créant cette œuvre, ça vient me chercher. Et ça me rapporte donc beaucoup. Par exemple, j'examine le panneau et je me dis, OK, cet artiste n'est pas en accord avec le reste. Qu'est-ce que ça dit de la communauté? Il y a toujours un mouton noir. Donc, en ayant un artiste qui ne suit pas les règles et les consignes, on a beaucoup d'artistes qui sont affectés. Alors, quand on pense à la métaphore de la vie, c'est cette personne qui se retrouvera en prison. Il reçoit beaucoup plus d'attention que le reste d'entre nous. Ah non, il y a quelque chose qui cloche. Louis, I presume. Claude, I'm very looking forward to seeing your panel. Oh, but you know, it's pretty stressful. I hope that will fit in your business because it might not. Well, let's have a look.
Mwah. This is superb. This is superb. This is fantastic. We've yet to have the logging industry represented in the mural. Well, it's and that's, done. Yes, and this is great. Well, I was wondering what you would think about it. It's so detailed and so it's sparkling. It's just beautiful. It's made with wooden barbecue skewers and razor blades. And no paintbrush. No paintbrush. No, but it looks like etching, do you? It does, it does. It looks totally like an etching, like a... This is great. I love it. I love it. And the color is going to work perfect in the mural. Yes. Yes. Le métier de peintre, c'est un métier solitaire. Participer ensemble, créer une murale et de pouvoir voir 300 impressions et d'éventuellement rencontrer ces personnes-là est quelque chose qui te permet justement de sortir de ton atelier puis d'enfin avoir une bonne conversation avec quelqu'un, tu sais, qui doit certainement partager tes problèmes, tu sais. Est-ce que vous faites-vous des cauchemars quand vous ratez une peinture? Est-ce que vous, comme moi, est-ce que vous vous découragez parfois? Voulez-vous vous flinguer parfois? Voulez-vous... comment est votre ego? Est-ce que vous... Aspirez-vous à finir au Guggenheim Museum? Est-ce que vous... comment avez-vous réussi à civiliser votre ego dans votre pratique? Et finalement, je suis certain que tous ces échanges-là sont une nourriture que 300 personnes qui vont retourner dans leur petit coin chez eux après vont garder comme un enrichissement énorme et faire des contacts aussi. Merci beaucoup tout le monde. Ce sont eux qui ont créé cette murale. Il y a d'autres artistes qui ont participé, mais c'est un effort collectif, vous savez. Alors, on va compter à rebours. À rebours de 10 à 1. Allons-y. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans cette hiérarchie de l'art, finalement, la murale est loge parfois au bas de l'échelle. C'est qu'au fond, la murale, c'est un instrument de communication qui permet d'avoir des connotations politiques ou à message. Et je pense que le message qu'on veut lancer dans cette grande aventure-là, c'est un espèce de message de solidarité d'artistes, finalement. D'une communauté d'artistes. Et on va le montrer. Hein? Bon, on va voir s'il y a de la puissance là-dedans. La première fois où j'ai vu une baleine sauter, je me rappelle, je toujours me rappeler les frissons de voir une baleine sortir de l'eau. Puis de dire, wow, je veux dire, il n'y a pas d'expression ou d'émotion qui peut décrire comment c'est majestueux. Puis d'arriver de dire que moi, j'ai fait une peinture qui représentait ce que moi me touchait de la Colombie-Britannique. Les baleines qui viennent échouer sur les côtes viennent nous dire que il y a un problème dans l'océan. Ils viennent nous avertir qu'il faut faire quelque chose parce que les prochains, ça pourrait être nous autres. Puis ça fait que le symbole de la baleine est fort.
Je pense que ça dépasse la communauté. C'est plutôt la Terre comme communauté là, qui vient nous dire... les baleines viennent nous dire qu'il faut faire attention. Juste de voir ça aussi, c'était... Il y a beaucoup d'émotions qui sont venues en même temps. De voir mes panneaux qui faisaient partie de ça, mais aussi les différences dans les styles. Moi, j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Quand ce panneau-là a été posé sur le mur, je me sentais comme un poisson hors de l'eau qui est mis dans l'eau avec les autres poissons.